السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أيها المسلمون إن من الواجبات العظيمة المنوطة بالوالدين تربية الأبناء والعمل على تنشئتهم التنشئة الصالحة بالاستقامة والطاعة والبعد عن المعصية إنه أيها المسلمون واجب جسيم ومسؤولية عظيمة Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, après vous avoir recommandé la crainte d'Allah azza wa jal, et après vous avoir informé que celui qui craint Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal le protégera. Celui qui craint Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, tabaraka wa ta'ala le préservera. Sachez ensuite que parmi les plus grandes des obligations, qu'ont les parents envers leurs enfants, c'est le fait de leur donner une bonne éducation. C'est le fait de les faire grandir dans le bien, dans la piété, dans l'obéissance du Créateur et dans la soumission du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, il est obligatoire pour le musulman de donner une éducation religieuse à son enfant, de lui enseigner la religion, de le préserver des péchés et des désobéissances. Naam, l'éducation des enfants est une énorme responsabilité dans notre religion. Ayyuha al-muslimoun, wa huwa wasiyyatullahi jalla wa ala lil abawain. Qala Allahu jalla wa ala yusikum Allahu fi awladikum. Ay anna awladakum amanatan fi a'naqikum. أيها الآباء تسألون عنهم أمام الله جل وعلا فكما أن الله تبارك وتعالى أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا وطاعة وتأدبا فإنه سبحانه وتعالى قد أوصى الآباء بالأبناء عدلا وتربية وحسن تنشئة وإذا وقف الأب ووقفت الأم أمام الله جل وعلا سألهما عن ذلك وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدب ابنك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عنك عن برك وطواعيتك
وطواعيته لك. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'éducation des enfants, c'est la recommandation d'Allah Azza wa Jal envers les parents. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset, Allah vous enjoint, Allah vous recommande concernant les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont pour les parents une amana, un dépôt sur le cou des parents. Les parents seront interrogés au jour de la résurrection. Lorsqu'ils se présenteront devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils seront interrogés sur leurs enfants. Et tout comme Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire aux enfants d'être bons, d'être bienfaisants envers les parents, Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendu obligatoire aux parents d'être justes et de donner la meilleure des éducations à leurs enfants. Et lorsque le père se tiendra debout devant Allah Azza wa Jal, et lorsque la mère se tiendra debout devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils en seront interrogés. Allah Azza wa Jal les interrogera sur l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Et écoutez ce que disait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il disait, éduque ton enfant car tu seras interrogé au jour de la résurrection sur la manière dont tu l'as éduqué. Qu'est-ce que tu lui as appris? Comment l'as-tu éduqué? Et lui aussi, ton enfant, il sera jugé. Il sera jugé sur la bienfaisance qu'il a eue envers toi et sur la bonté qu'il a eue envers ses parents. Subhanallah, le parent comme l'enfant sera interrogé au jour de la résurrection. Le parent, il sera interrogé concernant son enfant, quelle éducation il lui a donnée. Et l'enfant sera interrogé concernant son parent, quelle bienfaisance a-t-il eu envers ses parents. Naam, ayyuha al-muslimoun, innaha mas'ouliyatun azima. Wa fi s-sahihayn, an al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, kullukum ra'a, وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous serons interrogés sur l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Et nos enfants seront interrogés sur la manière dont ils se sont comportés envers nous. C'est pour cela qu'à nous, en tant que parents, d'aider nos enfants à être bienfaisants envers nous. Et comment on peut aider nos enfants à être bienfaisants envers nous? En leur donnant la meilleure des éducations. Et cette éducation est une très grande responsabilité, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith que nous trouvons dans le Bukhari et dans le Muslim, rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où il dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé sur son troupeau. » Le dirigeant, l'imam, le gouverneur est un berger et il sera interrogé sur son troupeau. L'homme est un berger pour les gens de sa maison, et il sera interrogé sur son troupeau. La femme est une bergère pour la maison de son mari et envers ses enfants, et elle sera interrogée sur son troupeau. Le travailleur est un berger quant à l'argent, quant au dépôt de son employeur, et il sera interrogé sur son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous sera interrogé sur son troupeau. أيها المسلمون إن هذا الواجب العظيم يتطلب من الأبوين عملا جدا وجدا واجتهادا في تربية الأبناء. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي قوا أنفسكم بالعمل والطاعة وقوا أهليكم بالتربية والتأديب من نار هذا وصفها. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cette obligation religieuse, cette grande responsabilité qu'est l'éducation de nos enfants sur la religion,
cela doit être à chaque instant, à chaque moment dans notre esprit, dans notre conscience. Ne baissons pas les bras, ne désespérons pas, ne nous relâchons pas, soyons constants dans cela. Fournissons un maximum d'efforts, car l'enfance passe très vite. Soyons des lumières pour nos enfants afin de les amener vers le bien. Et soyons des boucliers pour eux contre le mal afin de les préserver et de les éloigner des péchés et des désobéissances et de les éloigner quant au fait qu'ils tombent eux-mêmes dans des choses qui les feront entrer dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes et vos familles. De quoi ? D'un feu. D'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et exécutent tout ce qu'il leur a ordonné. Préservez vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes dans le fait d'œuvrer, dans le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, et vos familles dans le fait de leur donner une bonne éducation, dans le fait de les éduquer dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et écoutez ce que disait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait, enseignez-leur, yani à vos familles, enseignez-leur l'obéissance à Allah. Craignez les interdits d'Allah, ordonnez à vos familles la mention d'Allah. Et ainsi, Allah Azza wa Jal vous préservera du feu de l'enfer. وهذا أيها المسلمون يشعر بجسامة المسؤولية وعظم الخطب وأن الأب يتحمل مسؤولية عظمى وإذا فرط الأب بواجبه خسر خسرانا عظيما في دنياه وأخرى لأن الأب إذا فرط في تربية ابنه ونشأ الابن منحرفا لم ينتفع الابن حينئذ بحياته طاعة وعبادة ولم ينتفع الأب من ابنه أدبا وبرا وإحسانا. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, quoi de plus beau que d'être la cause de préserver nos enfants du feu de l'enfer? Et quoi de plus horrible que d'être la cause de l'entrée de nos enfants en enfer? C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'éducation des enfants est une grande responsabilité. Et si les parents sont laxistes sur ce sujet, ils perdront. Ils perdront d'une grande perte ici-bas. Ils seront perdants ici-bas comme dans l'au-delà. Dans l'au-delà, nous l'avons cité. Et ici-bas, car si les parents sont laxistes sur cela, ils ne profiteront pas de leurs enfants. Car si tu n'éduques pas tes enfants sur la religion, comment veux-tu que tes enfants soient bienfaisants envers toi? Et tes enfants seront pour toi une source d'angoisse, une source de difficulté. De même que l'enfant ne profitera pas de ses parents. Car si l'enfant n'a pas été éduqué d'une éducation religieuse par ses enfants, il ne profitera pas de eux dans l'apprentissage, dans l'obéissance et dans le modèle. C'est pour cela, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, que ton enfant peut être la cause de ton entrée au paradis. Et toi, tu peux être la cause de l'entrée au paradis de ton enfant. C'est pour cela que donne toute ton énergie dans son éducation et n'écoute pas ce qui se dit ici et là. Sois fier de ton dîn, sois fier de ta religion, relève la tête et apprends et motive ta famille à appliquer la religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.